Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Scribble. En dessous, ça veut dire tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et nous revoilà pour un témoignage puissant qui va nous propulser dans une atmosphère pâle comme les autres. Il s'agit tout simplement de l'enfer. Ici, une fille va voir des choses en vision plusieurs fois qu'elle va même écrit et nous le raconter dans ce témoignage puissant. Mes frères et sœurs, si vous êtes touchés, ne manquez pas de cliquer directement sur j'aime et de partager la vidéo pour que plein d'autres personnes puissent la voir. Ici, elle va nous raconter des choses vraiment existantes. Quand on nous parle de la violence, de la drogue, on nous parle de l'alcool et de leurs effets sur les gens, ce sont des choses qui ne sont pas anodines, qui ne sont pas qui sont existentielles, qui sont réelles. On ne peut pas négliger toutes ces histoires. Et ici, ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est qu'un homme, à force de regarder le catch, lui-même, il va se mettre à faire de ces choses bizarres. Et son père, qui va lui demander d'arrêter, il va se rebeller même contre son père. Et ça va mal tourner. C'est plus tard, il va se retrouver à l'enfer à cause de ces histoires. C'est pas du tout beau. Il y a même des personnes qui buvaient de l'alcool jusqu'à ce qu'elles se sont suicidées plus tard. Il y a trop de choses dans ce témoignage. Et ce qui est vraiment marquant dans ce témoignage, c'est que nous allons savoir qui sont les personnes invisibles, ou encore les esprits, ou encore les démons qui sont à la base de l'alcoolisme. Quels sont ces démons-là même qui poussent même des gens à devenir violents, à se mettre à boire? Parce que avant de boire une boisson, ou encore avant de consommer l'alcool, ce qui est étrange qu'on ne sait pas, c'est qu'on est propulsé par des esprits. Des esprits qui nous poussent vers la chose afin de nous conduire plus tard en enfer. Et là-bas, il y aura quoi? Des compartiments, comme dit des chambres. En fonction de ton péché, ta chambre t'est réservée. Comme on va dire, ta cellule t'est réservée. C'est comme en prison. Et là-bas, tu continueras à faire ce que tu faisais sur la terre. Et vraiment, ce ne serait pas joli, joli. Et ce que nous allons entendre ici, mes frères et sœurs, vraiment, c'est choquant. Que Dieu permette que ce témoignage se déroule dans de bonnes conditions. Écoutons cette jeune fille qui va bien nous expliquer. Elle est vraiment très belle, mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va vraiment vous étonner. Préparez-vous, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche de la TV et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage pour permettre aussi à d'autres personnes de recevoir le témoignage pour aussi partager la vidéo. C'est parti. Praise God. My name is Cynthia. Au nom de l'Éternel, je m'appelle Cynthia et je reste à Bangalore. Depuis avril, depuis le 28 avril, vers 1h30 du matin, le Seigneur m'accordait certaines visions. Les expériences se passaient à chaque nuit du 28 avril jusqu'au 25-26 mai. Une personne m'est apparue et me montra la structure de l'enfer et les différentes raisons qui mènent les gens en enfer. L'enfer est réel. Donc, le premier journée, le 28 avril à 1h30 du matin, j'étais couché quand j'ai reçu une vision d'une maison et par la suite, je me suis retrouvée dans un autre endroit. Je n'étais pas seule et accompagnée d'une personne de taille et de poids normal. Cette même personne me parla d'un ton normal. Nous nous sommes retrouvés devant sept murs avec sept sceaux. Ces sept murs avaient de très grands sceaux. La personne me demanda ensuite de me tenir devant ces murs et à ce moment, les sept sceaux se brisèrent et le mur se divisa en deux. Nous nous sommes avancés dans un lieu qui ressemblait à une caverne et une fumée couvrait l'atmosphère. Cette fumée était très épaisse et recouvrait tout notre corps. Donc, il fallait que nous avancions dans un endroit où cela ressemblait à une caverne. Et dans cette caverne, il y avait encore une fumée très épaisse qui couvrait cette atmosphère. L'odeur d'ammoniac régnait dans ce lieu. La personne qui m'accompagna m'indiqua qu'il fallait bien noter tout ce que je voyais devant moi, ainsi que j'allais l'écrire. Nous nous sommes ensuite avancés dans un autre endroit où se trouvaient plusieurs cabines à gauche et à droite. Dans une cabine, on retrouva une table et un modèle en argile. Dans ce modèle 3D, on pouvait voir une
une église, une maison, des personnes et des lieux touristiques. Donc nous pouvons voir tous ces objets 3D, tous ces modèles 3D dans plusieurs de ces cabines. Autour de la table se trouvaient cinq esprits portant des ailes et un esprit qui contrôlait ces cinq esprits. Il y avait aussi un esprit qui contrôlait les cinq esprits autour de cette table. Les cinq esprits avaient comme devoir d'accomplir des missions qui leur avaient été confiées. Ils devaient aussi rendre compte des résultats de leur mission qui leur avaient été confiées. Les cinq esprits devaient aussi rendre compte des résultats de leur mission à l'esprit en charge. Par la suite, l'esprit en charge avait comme mission de déterminer si les missions ont été un succès ou pas. Si la mission a bien été accomplie, l'esprit recevait une aile comme honneur. Mais si la mission échoue, les ailes de l'esprit étaient coupées. La personne qui était en enfer avec moi m'indiqua que les ailes des esprits représentaient des honneurs pour eux. La personne qui m'indiqua ceci, que le nombre d'ailes que possédait chaque esprit démontrait leur puissance en enfer. Et l'esprit ayant cinq ailes avait obtenu la puissance maximale. Et si un esprit avait cinq ailes, cela démontrait que cet esprit avait reçu la puissance maximale. En enfer, je n'avais vu qu'un seul esprit qui possédait cinq ailes et sa mission était d'amener des personnes de la terre jusqu'en enfer. Et en enfer, il n'y avait qu'un seul esprit qui avait cinq ailes. Et c'est à ce moment que l'esprit m'indiqua c'était quoi leur rôle et quelle était leur mission à accomplir en enfer. And like boxing, à chaque fois que les esprits se rencontraient pour discuter de leur mission, ils discutaient de combien le nombre d'églises et de familles qu'ils avaient détruites. Ils voulaient voir le résultat de leur mission. Donc ceci était la première journée. Ensuite, la personne m'a aussi montré les armes utilisées par les esprits en enfer. Les équipements étaient très réels. Ils utilisaient des écouteurs, des gants de boxe, des souliers et des parapluies. Chaque arme était attachée des épines. Attaché à ces armes se retrouvaient des épines qui perçaient le corps des individus en enfer et où sortaient des vers de terre. Ces vers mangeaient les organes internes de ces individus en enfer. La peau de ces individus se déchirait de façon continue et le processus recommençait à nouveau. Donc ce processus se faisait que la peau de ces individus se déchirait de façon continuelle. Ceci était la première journée et c'était un cycle continu. Vers 4h30 du matin, je me suis retrouvée dans mon lit et le lendemain, j'ai commencé à noter tout ce que j'avais vu en enfer. Et le lendemain, la routine a commencé. Et c'est pas comme si je me suis déplacée, mais c'est une vision qui m'est venue. Le 30 mai, jour numéro 2, une autre vision m'est venue. J'ai vu des créatures en enfer, comme une femme avec sept têtes qui ressemblait à un serpent, serpent, mais qui avait un corps normal. Et ses jambes avaient la forme d'un scorpion. La deuxième créature était un homme avec 5 à 7 têtes qui tournait autour de son corps et son corps était rempli de pus. J'ai ensuite vu une femme de grande taille qui avait de longs cheveux. Ses mains et ses orteils étaient de couleurs différentes. J'ai ensuite vu des enfants âgés de 5 à 6 ans qui tenaient des armes dans leurs mains. J'ai vu beaucoup de vers de terre en enfer qui mesuraient près de 1 cm et plus. Ces vers de terre sont très grands. Ils avaient une très grande taille et pouvaient même avaler un homme. Ceci représentait les différentes créatures que j'ai vues en enfer. Par la suite, la personne qui m'accompagna me montra deux autres personnes en enfer. La première était une jeune fille de 20 ans. Elle était une chrétienne, allait à l'église tous les jours, avait une bonne communion et une bonne relation avec le Seigneur. Elle était une chrétienne qui servait elle et sa famille l'Éternel. Cette jeune fille avait deux numéros de téléphone de deux personnes sur son portable et le Seigneur lui avait demandé d'enlever les deux contacts de son portable. À plusieurs reprises, le Seigneur lui a demandé de s'en débarrasser de ces deux numéros dans son portable.
But selon cette jeune fille, like elle se disait qu'elle n'avait que 20 ans mouth and just taking et qu'elle lui restait encore 30 ans à vivre. Elle a négligé la voix du Seigneur et se disait que le jour viendra où elle changera. Et un jour, elle était sur sa terrasse, sur son téléphone, et tout à coup, elle tomba de sa terrasse et elle mourut. La personne qui m'accompagna m'expliqua qu'au moment de la mort de cette jeune fille, elle vit un ange à très grande distance d'elle. L'ange était à une très grande distance d'elle et cet ange paraissait très triste. Elle a ensuite vu un lion ouvrir sa bouche pour avaler des personnes, puis hélas, elle s'est retrouvée en enfer. Et à ce moment qu'elle a eu cette vision, elle s'est retrouvée en enfer. Cette jeune fille était tourmentée par un genre de parapluie qui la couvrait avec des épines. Ces épines transperçaient sa peau et la déchira. Sa peau se fondait et se régénérait à nouveau. Nous pouvons entendre des cris et des bruissements de l'enfer. Et les bruits se montaient et montaient à nouveau. Tu pouvais entendre des personnes crier, pleurer et demander le secours afin de sortir de cet endroit de l'enfer. Cette jeune fille qui se trouvait en enfer pleura. Et quand elle nous a vus, elle nous a demandé que si on pouvait lui aider à sortir de cet endroit. Mais la personne qui était avec moi lui a répondu qu'il n'y a point d'aide pour des personnes qui arrivent en enfer. Le Seigneur lui avait parlé à plusieurs reprises, mais elle a préféré l'ignorer. La personne qui m'accompagna m'expliqua que le Seigneur ne t'envoie pas en enfer la première fois que tu pèches. Mais cette jeune fille a plutôt négligé la voix du Seigneur et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en enfer. Par la suite, j'ai vu un jeune homme âgé de 24 ans en enfer. Il était un chrétien qui aimait regarder les matchs de boxe et le catch. Il était un chrétien et son père lui disait souvent d'arrêter de regarder ces matchs à la télévision, mais il n'écouta pas. Il avait un esprit d'arrogance qui vient lui posséder. Il voulait se battre avec tout le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas de paix. Il était arrogant et il était très irrespectueux envers ses parents. Il était très arrogant et n'avait aucun amour pour son père, sa mère et ses proches. Il ne s'entendait pas avec personne. Quand son père insista qu'il devait arrêter de regarder le catch, il devint triste et déprimé. Il s'est ensuite dirigé sur une terrasse un jour pour réfléchir de ce qu'il devait faire de ce match et de ce que son père venait de lui dire. Par la suite, sur la terrasse, des pensées suicidaires prirent le contrôle de lui et il voulait prendre sa vie. Donc, il s'est jeté de la terrasse et il est mort. La personne qui m'accompagna m'expliqua alors ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand une personne devient accro ou qui désire se suicider, tout se passe dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. L'esprit met une voile sur la pensée des gens, donc celui-ci ne peut plus contrôler leur propre pensée, car leur pensée est maintenant captive à l'esprit. À ce moment, les gens ne trouvent aucune solution à leurs problèmes, et c'est à ce moment que Satan prend le contrôle de leur pensée. Et c'est là que la personne devient accro ou veut se suicider à ce moment précis. Et c'est ceci ce qui s'est passé le deuxième jour. Pour le jour 3, la personne qui m'accompagna me montrait comment l'enfer était gouverné. Au centre de l'enfer, on peut trouver une table ronde pour les diverses conférences. En enfer, nous pouvons retrouver au centre de l'enfer des esprits qui étaient de très grande taille, qui faisaient très peur. Et un des plus grands esprits avait 5 autres esprits attachés à sa hanche. On ne pouvait voir que la tête de ces 5 esprits. Toi, la sac couvert de sang enveloppait l'esprit. Créature s'est avancée à la table ronde et 9 autres esprits vinrent aussi. Ces esprits étaient responsables de l'administration en enfer. Les 9 esprits devaient communiquer les résultats de ce qu'ils avaient fait aux 5 autres esprits qui étaient présents. Le plus grand esprit de l'enfer avait comme rôle de donner des suggestions pour améliorer la mission des autres esprits. Par exemple, ils devaient discuter de quelles méthodes, stratégies et armes devraient être utilisées pour décevoir les gens sur la terre. La personne qui m'accompagna m'expliqua comment un esprit attaque un fœtus même avant qu'il soit né. Comment Satan lui-même puisse affecter un fœtus avant même qu'il soit mis au monde. La créature indique aux 9 esprits qui communiquera avec les 5 esprits
de prononcer des paroles négatives there, dans les oreilles de la femme enceinte. Ceci représente donc la première voie de communication entre l'esprit et la maman. Les paroles négatives de la femme enceinte ouvrent la porte à Satan qui prend autorité sur celle-ci maintenant. Et là, la voie est ouverte pour que Satan puisse venir attaquer le fœtus. À cause de ces paroles négatives, la femme enceinte commence à murmurer. Elle se plaint de son mal. Elle est incapable de faire ses activités habituelles. Les paroles qui ont été prononcées ont un impact sur le fœtus. Vers la fin de ce jour, la personne qui m'accompagna me dit que demain, j'en saurai plus sur l'avortement. Et par la suite, je suis retournée dans mon lit. Jour 4, le 3 mai, vois-tu une autre vision reçue? Je voyais 5 à 7 femmes tourmentées par des petites créatures. Elles se faisaient percer par des armes et leurs organes ressortaient de leur corps. Ces créatures sortaient le fœtus des femmes enceintes afin de les étouffer. Et créatures étaient en train de sortir les organes des femmes et même étaient en train d'étouffer ce fœtus. Ils étaient en train d'étouffer les oreilles et le cou de ce fœtus. Et par la suite, ces mêmes sentiments sont ressentis par la maman enceinte qui est couchée sur son lit. Donc la maman enceinte ressent ses douleurs à son cou et à ses oreilles quand l'esprit est en train d'étouffer le fœtus dans le ventre de la maman. Donc, c'est à ce moment que la personne qui m'accompagna m'indiqua, c'est le scénario qui se produit quand une femme veut avoir un avortement, le fœtus devient très maigre, ainsi que les yeux leur sortent de la tête. Et c'est à ce moment que l'esprit qui m'accompagna me dit que Dieu n'aime pas les avortements. Il y avait une femme qui s'est retrouvée en enfer, qui était une femme d'un médecin. It was almost binding him on his right side and his left side. And this person was a husband. Ceci était sa troisième grossesse et durant son échographie, elle a découvert que le bébé dans son ventre. They were going to church. Et que durant son échographie, elle avait un problème avec sa jambe droite et elle a voulu l'avorter. Et c'est à ce moment que son mari est venu lui annoncer la nouvelle. Cette femme a voulu avorter l'enfant parce qu'elle se disait qu'elle avait deux autres enfants avant, de grande taille, intelligents et sans problème physique, et qu'elle ne voulait pas avoir cet enfant à elle. Cette femme ne voulait pas que cet enfant soit la honte de sa famille, et comme ils avaient de l'argent, elle a préféré avorter l'enfant. La semaine suivant l'avortement, cette femme se sentait coupable. Elle n'arrivait plus à dormir ses nuits car elle entendait des bébés pleurer. Et chaque fois qu'elle allait se coucher, elle entendait des bébés pleurer et elle voyait du sang partout. Et une nuit, elle eut une crise cardiaque et elle est morte. Plusieurs personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent est bien. L'argent peut pousser les gens à commettre de très grands péchés. Cette femme avait de l'argent et a commis ce grave péché, ce qui l'a entraînée en enfer. Ceci était le troisième jour. Le 5 mai, j'ai vu un homme en enfer attaché à une structure avec des épines. Il était attaché de son côté gauche et droit. Cet homme, il était marié et avait deux enfants. Parmi ses enfants étaient des chrétiens. Il partait à l'église, mais lui, il était contre ça. Il ne voulait pas qu'il parte à l'église et il les frappait. Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup. Il n'était pas en accord et il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup, au point qu'une nuit, il a voulu la tuer en versant un produit chimique sur elle afin de la mettre en feu. Puis, il la frappa et elle tomba inconsciente. Au moment où il s'apprêtait à verser le produit sur elle, il tomba à terre et eut une crise d'épilepsie et il est mort. Et c'est à ce moment que quand cet homme est mort, il s'est retrouvé en enfer et c'est là où il se faisait tourmenter de son côté gauche et de son côté droit. Son corps se déchirait en deux et se faisait manger par des vers de terre. Quand il nous a aperçus en enfer, il a voulu plaider pour une deuxième chance. Il voulait se repentir auprès de sa femme et de ses enfants, mais c'était trop tard. Il avait eu assez de chance sur la terre. Il n'y a point de deuxième chance en enfer. Le 6 mai, j'ai vu un pasteur d'une église en enfer
Son nom n'a pas été dit. J'ai vu un pasteur qui s'est retrouvé en enfer. Chaque dimanche, ce pasteur recevait une parole du Seigneur pour l'Église, mais il utilisait cette parole de Dieu pour blesser les membres de l'Église qui ne s'entendaient pas bien avec lui. À chaque dimanche, le Seigneur lui reprochait de ceci. La personne qui m'accompagna me dit que le Seigneur aime quand son peuple se rassemble pour l'adorer et le louer. Le Seigneur honore toute parole ou bénédiction prononcée. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer, le Seigneur descend avec sa présence glorieuse. Le Seigneur donnait souvent une parole à ce pasteur pour réconforter son peuple, mais le pasteur utilisait cette même parole pour blesser le peuple de Dieu. Et le pasteur leur disait souvent comme quoi ils n'avaient pas une bonne relation avec le Seigneur, et tous ceux qui n'étaient pas en accord avec le pasteur, ils lui disaient que les choses ne marcheront pas bien pour eux. Le Seigneur lui parlait de ceci à plusieurs reprises, mais le pasteur ne changea point. Le Seigneur lui parla de ceci à plusieurs reprises, mais il a préféré négliger la voix du Seigneur. Une nuit, après le service, le pasteur retourna à la maison et eut une crise cardiaque qui le tua. Et à ce moment, il est mort, il s'est retrouvé en enfer dans une salle avec une petite porte. Il se retrouvait seul en enfer dans ce lieu. Son corps était en train de se fondre comme une bougie et son corps n'avait pas de forme. Du charbon ardent recouvrait son corps comme la lave d'un volcan. Cette salle était remplie de charbon ardent et tout ce charbon recouvrait son corps. Et son corps n'avait aucune forme. Parce que son corps était en train de se fondre comme une bougie. La personne qui m'accompagna m'expliqua qu'en enfer, tu trouveras toujours au moins une personne qui est dans ce lieu, car il a négligé la voix de Dieu. Et tout cela pour nous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent la voix du Seigneur. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un autre lieu où le plancher était en vitre. Nous avions dû ôter des objets pour voir ce qui se passait à travers le vitre. Nous avons vu deux groupes de personnes, le premier groupe de personnes. Le premier groupe de personnes était assis sur des chevaux et l'autre des hommes avec des esprits entre eux. Et il se retrouvait qu'il y avait un esprit du côté droit qui se retrouvait entre ces esprits. Un esprit du côté droit demandait aux esprits sur les chevaux d'attaquer une personne du côté droit. C'est comme ceci, cette scène démontrait les exercices que faisaient les esprits avant qu'ils possèdent un voleur, un meurtrier. Cet exercice nous démontrait ce qui se passait avant même que ces esprits rentrent dans ces types de personnes. Ces esprits s'entraînaient en enfer d'abord avant d'attaquer les personnes sur la terre. Les esprits s'entraînaient sur des personnes qui étaient des voleurs et des meurtriers sur la terre. Mais qui se retrouvaient maintenant en enfer. Les esprits s'entraînaient sur les personnes en enfer en les tuant, en les massacrant et les volaient aussi en enfer. Et c'est à ce moment que la personne qui m'accompagna me disait comme quoi les chrétiens sur la terre ne font pas le combat spirituel et que ces personnes ne s'entraînent pas à être fidèles envers le Seigneur, ils ne sont pas honnêtes avec Dieu et ne marchent pas correctement avec le Seigneur. En enfer, les esprits s'entraînent d'abord avant d'être envoyés sur la terre. Donc, ils s'entraînent en enfer avant d'être envoyés sur la terre pour posséder les gens. Le lendemain, j'ai vu une personne qui était obsédée et accro avec le catch. Donc en enfer, je l'ai vu, il se dirigea vers un de ses amis. Is like they automatically get up, they automatically it has been pierced and it is peeled out again. Et j'ai vu que ces deux amis se parlaient entre eux, mais la conversation s'est terminée en dispute. And this was on et celui-ci était accro au catch, commençait à se battre avec son ami et le tua. Ceci est devenu une très grave situation que le monsieur est mis en prison pour 3 ans. Et pendant ces 3 ans en prison, celui-ci se sentait très coupable. Et un jour, il avait commencé à vomir du sang et il mourra. Pendant ces 3 ans, il y avait des esprits qui le tourmentaient. Il disait comme quoi, lui rappelant qu'il avait tué un homme. Ces paroles le rendaient la situation plus grave et l'esprit lui tourmentait à chaque nuit. Et à chaque nuit, cet homme entendait les mauvaises paroles de ses esprits
qui rendait la situation plus grave et sa culpabilité devenait plus intense avec les jours. Et voilà, une nuit, les huit esprits ont tué ce jeune homme. L'homme se retrouva en enfer où il y avait une âme qui était en train de lui tourmenter. Et cette âme, c'était des gants de boxe couverts d'épines qui lui arrachaient la peau. Et ces bandes de boxe enlevaient la chair et la peau. Equipment, they would par la suite, des vers de terre lui sortaient du corps et mangeaient sa chair. Il n'était plus au contrôle de ce processus et tout cela se faisait hors de son contrôle. Et ce même processus recommençait à nouveau car sa peau se régénérait. Et tout ceci parce que cet homme aimait trop le catch. Le 13 mai, le Seigneur m'a montré les différentes sections de l'enfer. Les différentes sections de l'enfer sont la section des accidents, le manque de paix, la section où l'arrogance règne, la section de la peur, la section de la division dans les familles. La section des addictions. La section des malédictions, la désobéissance, and then, by end of the fifth or sixth la day, convoitise, his mind has been freezed, its thought l'insatisfaction, been freezed, and you know that Satan just puts up a thick layer over their mind in such a way that they can't think. Les rêves, and at that time they get indulged with, and first when they get indulged with it, it goes on and on, and after et une section de la média. 13 mai, le Seigneur m'a montré les différentes sections de l'enfer. Donc, il y avait 5 à 7 esprits qui contrôlaient chacune des sections de l'enfer. Et 5 esprits ordonnaient à d'autres esprits les tâches qu'ils devraient accomplir sur la terre. De l'enfer, les esprits ciblent les personnes sur la terre qui vont attaquer avec les armes de leur section. Par la suite, ces personnes sur la terre tombent dans le péché et les esprits possèdent ces personnes et prennent le contrôle de leurs pensées afin de les amener en enfer. Ceci était ce que j'ai vu le 13 mai. Le 16 mai, le Seigneur m'a parlé des personnes qui deviennent des accros. Le Seigneur va m'expliquer comment les personnes deviennent accros. Et ceci se passe dans plusieurs étapes. La première étape, cela commence avec la pensée d'une personne. Par exemple, si une personne veut commencer à boire l'alcool, elle doit d'abord penser à l'alcool. Deuxièmement, partout où passe cette personne, elle ne fait qu'entendre parler de l'alcool. Tout où cette personne passe, elle commence à avoir des images de l'alcool dans sa pensée. Le premier jour, la personne pense à l'alcool une à deux fois. Et au troisième et quatrième jour, elle pense à l'alcool à toutes les minutes. Et elle commence à penser à cette addiction qu'elle doit boire de l'alcool à chaque minute. À la cinquième ou sixième journée, sa pensée est contrôlée par Satan, car Satan met une voile pour l'empêcher de penser. Et à ce moment, la personne a une envie de boire. Giddiness, pushing a person, et cela devient une habitude continuelle. Even before they elle ne get peut s'en passer de l'alcool. Et partout où passe cette personne, elle doit toujours satisfaire à cette addiction à l'alcool. For a road traffic accident, and then sinon, on 23rd of May, this is very important. The person told me how the Lucifer in the hell is gained this power. Après cette scène, j'ai aussi vu un garçon en enfer qui avait commencé à boire dès l'âge de 18 ans. Quand cette personne boit, il avait sept esprits qui le contrôlaient. Chaque personne qui boit de l'alcool est contrôlée par sept esprits. La personne qui m'accompagna me demanda d'imaginer le nombre d'esprits qui contrôlent les bars. And il y a plusieurs esprits dans un seul bar. Huge spirit, and when they do this, you know, the Lucifer has been gained that boosting. Car quand une personne devient accro à l'alcool, cela devient très difficile d'être libéré de cette addiction. Car la pensée de cette personne est voilée. La personne ne pense plus à ses actions. Elle ne se sent pas coupable de cette addiction. And after this comes the random et ne se rend pas compte du mal qui pourrait être causé. Et le garçon est mort à l'âge de 29 ans. All this happens on earth after this particular worship is done. Il avait une maladie de foi. And then, la raison de sa mort, c'est qu'il n'a pas pu arrêter de boire l'alcool.
congenital. Le lendemain, le Seigneur m'a montré comment les accidents se produisent. Before they take up their shape in the earth. Les esprits s'entraînent d'abord en enfer avant de les exécuter sur les rues. On peut trouver beaucoup d'esprits qui vont causer les accidents, surtout dans les carrefours. Spirit, which is having les autoroutes all kind of et les lieux où like nous pouvons faire des demi-tours. BHIV, donc nous pouvons trouver habituellement ces esprits dans ces endroits et ces esprits prennent la forme d'un chien. Main donc, of ils, all ont such la, ils ont le corps physique d'un homme, mais le reste de leur partie, c'est la partie d'un chien. Donc, les esprits utilisent des armes pour causer ces accidents dans les rues. This particular girl's name wasn't told ils me, utilisent l'étourdissement comme une arme. Les esprits en enfer s'entraînent aussi à pousser les gens avant d'arriver sur la terre. Donc, avant de venir sur la terre, ces esprits s'entraînent d'abord en enfer. L'étourdissement et pousser une personne pour lui faire perdre l'équilibre sont des causes pour les accidents sur les rues qui sont exécutés par les esprits de l'enfer. C'était une journée très importante parce que la personne allait m'expliquer comment Lucifer reçoit sa puissance. She did everything well, everywhere she would il y a plusieurs de nombreux esprits en enfer que je ne peux pas calculer ou compter par moi-même. Et tous ces esprits n'ont aucune forme physique et leur corps était recouvert de sang. And one ces esprits, quand ils se regroupent ensemble, sont comme un groupe musical sans harmonie. C'est juste des bruits qui parviennent de partout et ils ne sont pas uniformes ensemble. Ces esprits circulent autour d'un grand esprit en l'adorant. Et cette adoration à l'esprit augmente la puissance de Satan. Et par la suite, le grand esprit doit assigner des tâches à 9 autres esprits. It's not that everybody who takes up their own wish career et leur mission est d'accomplir sur la terre. Not to be taken till you insist for it and when you go for it. Et ceci est comment Lucifer augmente sa puissance et son autorité sur la terre. Told me such person whomever you saw may have a very silly reasons for them to be in the hell, but the reason et c'est à ce moment que des meurtres et des vols prennent place sur la terre. The much closer you become to après God, ce culte d'adoration en enfer. Tu peux voir qu'il y a des meurtres et des vols qui prennent place sur la terre. Il y a aussi, après ce culte d'adoration en enfer, des maladies comme le sida, l'hépatite B, la typhoïde qui se manifestent sur la terre. De prendre place sur la terre, ces maladies prennent place dans le monde spirituel. Especially, God specified one thing like temple run. All these video games which has these plusieurs disent que ces maladies sont transmises par des moustiques ou par l'eau. Fear and this anxiety and that mais cela est faux. Particular excitability that they have when playing these video games. C'est like un esprit games qui like se cache derrière les symptômes. And all this, that fear takes derrière up les symptômes du sida et l'hépatite B. They become so indulged to it. They all the time see how to play with it and their mind is just fixed with it. And et les esprits ils sont porteurs de ces symptômes pour pouvoir attaquer les personnes sur la terre avec ces maladies. Donc, et c'est à ce moment que l'ange m'expliqua que ceci est la cause de toutes les maladies que nous connaissons comme le sida, la choléra, la typhoïde et le paludisme. J'ai vu ensuite une autre fille en enfer, mais son nom ne m'a pas été mentionné. Elle voulait faire une maîtrise en administration. First, their thought realm was touched. That means to et elle recevait de l'aide de sa famille qui l'encourageait à poursuivre ses études en administration. Deuxième année d'études, quand elle a décidé qu'elle voulait être mannequin tout d'un coup, à cause de l'influence de ses amis. Ses parents et sa famille ne voulaient pas et n'approuvaient pas de son choix de carrière, mais malgré ça, elle voulait absolument devenir mannequin. Cette fille a dû quitter ses études à la fin de l'année afin de poursuivre une carrière comme mannequin. Every au début, act of tout allait très bien God, pour elle. But you can actually do that and put it into action when you love God with your whole heart. For example, he said me, cette fille a participé à plusieurs défilés de mode et elle est devenue très célèbre. Elle vivait une vie de luxe. You love that person with your whole heart. So first step that every person in this earth should take is that malgré qu'elle avait une vie de luxe, chaque nuit elle entendait une voix qui lui disait qu'elle devait arrêter cette carrière. For a Satan to find a way within you to put you into sin. To put you into mais elle a préféré ne pas écouter cette voix. Love God, we don't feel like doing un jour, elle eut un God, défilé de mode, mais cela ne s'est pas trop bien passé God pour elle. Puts us back into the track, puts us into et son coach lui a dit des paroles très blessantes, qu'elle ne faisait rien de bien et qu'elle ne valait rien. Not neglect the voice of
Et son coach lui disait que peut-être que cette carrière de mannequin n'était pas faite pour elle. Les paroles lui ont blessé, lui ont beaucoup blessé, au point qu'elle a fait un overdose sur des somnolences. À ce moment, elle est morte. L'ange m'a expliqué que c'est très important de choisir une carrière selon la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu choisis une carrière de ton choix, que cela va t'entraîner en enfer directement. Mais quand le Seigneur te dit de ne pas faire cette carrière, mais que toi-même tu insistes et que tu continues dans ce chemin, tu peux te retrouver en enfer. L'ange m'expliqua qu'il y a plusieurs raisons secondaires qui entraînent les gens en enfer. Mais la raison principale, c'est qu'ils négligent la voix du Seigneur. Plus que tu te rapproches du Seigneur, le plus que tes activités doivent faire. Que de t'assurer que toutes tes pensées et que toutes tes actions doivent plaire au Seigneur. L'ange me parla sur les jeux vidéo que les gens aiment beaucoup s'engager dedans, particulièrement sur un jeu s'intitulant Temple Run, qui provoque des vidéos 3D. Si ces jeux provoquent des sentiments de peur et d'excitement à une personne, ces sentiments deviennent une porte d'entrée pour Satan. Les personnes deviennent accro aux jeux vidéo, elles ne peuvent s'en passer de ce jeu, et leurs pensées sont toujours axées sur le jeu. Devient accro à ces jeux vidéo, cela ne s'arrête pas là. Cela continue et il commence à regarder à d'autres choses sur l'Internet. Il commence à regarder des vidéos qu'il ne devrait pas regarder sur la télévision, sur d'autres formes de médias. En tous les cas, le tout commence à la pensée d'une personne et elle ne fait que penser à ses jeux. Donc, c'est mieux de ne pas penser. Ces addictions commencent toujours avec la pensée d'une personne. Tout d'abord, Satan va placer cette voix sur la pensée de la personne. Donc encore, l'ange me dit que tout cela commence avec la pensée d'une personne. Donc c'est mieux de ne pas penser à ces choses, à ces vidéos ou à ces jeux. Le dernier jour, l'ange me dit qu'il y a plusieurs raisons qui amènent une personne en enfer. Mais la raison principale, c'est parce qu'elle néglige la voix du Seigneur. L'ange m'expliqua que c'est très important d'être fidèle envers le Seigneur. Parfois, c'est très difficile pour nous de comprendre que toutes nos actions doivent plaire au Seigneur. Mais le tout est possible quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Par exemple, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le veux pas faire du mal et tu es incapable de lui faire du mal. Donc, tout ceci est possible quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. La première étape pour nous tous, c'est qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur. En ce moment, quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'y a point de péché ni de déception en nous. Quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous ne voulons pas lui faire du mal. Quand nous lui faisons mal, le Seigneur nous ramène toujours sur la bonne voie. Quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas négliger la voix du Seigneur. Même quand tu négliges la voix du Seigneur, le Seigneur nous parle jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute avant notre mort. Mais le problème, c'est qu'on endurcit nos cœurs et on ne coupe pas la voix du Seigneur. On ne veut pas suivre les voies de Dieu et c'est là, à ce dernier moment, que le Seigneur cesse de nous parler. Le Seigneur est très compatissant envers nous. Le Seigneur nous aime. Mais jusqu'au dernier moment, qu'on endurcit nos cœurs et qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur, le Seigneur est un Dieu de grâce et d'amour. C'est un Dieu qui utilise plusieurs moyens pour nous parler, même si on endurcit nos cœurs. Si on se retrouve en enfer, il n'y a point de retour. L'enfer est réel et non pas imaginé. L'enfer est tellement réel comme les choses que tu vois sur cette terre. Pense que les choses sur cette terre sont vraies, même sont les choses qui sont en enfer. Étant chrétien, il faut écouter la voix du Seigneur et aimer Dieu de tout son cœur. Et pour le dernier jour, l'ange m'expliqua à nouveau que la plus grande raison qui amène une personne en enfer, c'est qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur de tout leur cœur. L'ange me dit, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu ne lui veux aucun mal, et c'est pareil pour Dieu. Si tu aimes Dieu et Jésus de tout ton cœur, et les portes restent fermées à Satan, de tout ton cœur,
et fais ce qui plaît au Seigneur. You go, where ne fais pas les choses car tu te sens forcé de les faire, car Dieu ne force personne à les suivre ni à l'aimer. Toi-même, tu le fais de tout ton cœur et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Point de péché en toi et l'esprit ne peut pas t'atteindre. Et il ne faut jamais négliger la voix du Seigneur. Il ne faut jamais négliger la voix du Seigneur. Tant de moyens que le Seigneur utilise pour nous parler, que ce soit à travers un livre ou une prédication, à ce moment précis, il faut obéir et écouter la voix du Seigneur. Et si tu écoutes la voix du Seigneur et tu obéis à sa parole, Dieu nous protégera contre toutes sortes de péchés. Je fais un appel aux jeunes gens afin d'être protégés contre ces choses de ce monde, du convoitise de ce monde. Il suffit d'écouter la voix du Seigneur et aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Mais frère, vous avez vu ça? Les choses sont claires. Voici les choses qu'on conduit les gens en enfer. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est grave. On nous dit à la fin, écoutons la voix du Seigneur. Quels que soient les moyens que le Seigneur utilisera pour vous parler, que ce soit par la parole ou en lisant un livre, mon frère, ma soeur, il faut obéir à la parole du Seigneur. Même Dieu peut parler à ton esprit, parler à tes oreilles comme ça. Tu vas l'entendre, tu vas entendre sa voix pour lui dire, le péché que tu vas lui faire là, ce n'est pas bon. Il faut laisser mari des gens. Il faut laisser femme de quelqu'un, soeur de la masturbation. Même ce message que tu vois, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Mon frère, ma soeur, il faut écouter aujourd'hui tout ce que Dieu te dit et commence à marcher dans une nouveauté de vie. La semaine a commencé et nous voulons que tu rentres dans ta bénédiction et tu rentres sur le droit chemin et que tu te rendes sur le chemin qui te conduit au ciel. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire ça? Mes frères et soeurs, partagez cette vidéo à quelqu'un. Si vous avez été touché, cliquez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche à côté de s'abonner et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Seigneur, que Dieu bénisse, frères et soeurs. Prenez soin de vous.